Salut tout le monde, c'est Monsieur H3KDTouch. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Et cette fois-ci c'est Tizo qui est une fois de plus aux manettes. Et comme à son habitude il va nous sortir une très grosse partie dans Array. Alors aujourd'hui on se retrouve en domination, il utilise le stakeout poignet. Comme équipement il utilise l'insertion tactique, les grenades paralysantes, fragmentation. Comme série de victimes il utilise le drone, le napalm ainsi que l'hélico d'attaque, l'hélico qu'on utilise à cette victime à la suite. Comme atout il utilise poids plume, seigneur de guerre ainsi que marathon. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo mise au point que je fais. Comme la plupart d'entre vous le savent, nous sommes plusieurs à nous occuper de la modération de la chaîne Code QG. Code QG qui, comme vous avez pu le voir ces temps-ci, s'est extrêmement développé. En un mois, on est bientôt à 4000 abonnés. Donc avant tout, merci à tous de vous être abonnés. C'est vraiment un truc de malade. Je dis merci de la part de tout le monde, de toute la modération, et surtout de la part de Tizo, parce que c'est tout de même lui le fondateur de la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais aborder quelques points qu'on a notés au niveau de la modération et qui nous embêtent quelque peu. Alors premier point, c'est au niveau de la boîte de réception des messages qu'on reçoit. Au niveau des messages, on reçoit énormément de messages, mais certains, on va dire, ne respectent pas trop les critères qu'on... Je vais vous expliquer tout de suite. Alors... nous ne répondons plus désormais aux messages qui sont totalement hors sujet. Par exemple des messages où on demande des conseils, tout ça. On va dire que c'est pas trop notre but principal de donner des conseils. Nous on s'occupe beaucoup plus de mettre en ligne des vidéos qui concernent la communauté française, des commentaries, etc. Mais on n'est pas une chaîne qui est censée aider les gens dans les conseils techniques ou autres. Avec les 4000 abonnés, bientôt on va vraiment augmenter en très peu de temps. On n'aura vraiment plus le temps de répondre à des messages, à des questions un peu bébêtes qui dépendent de la technologie. Vous avez juste à taper sur internet ce que vous voulez chercher et puis voilà. Donc tout ce qui concerne les messages concernant les demandes d'upload de vos vidéos commentary. Alors à savoir, je le redis, les critères des vidéos, il faut c'est facultatif mais c'est bien, il faudrait qu'il y ait notre intro, l'intro code QG. Par contre si elle n'y est pas et qu'il y a par exemple un autre partenariat autre que le nôtre, c'est même pas la peine de nous demander. Il faut quand même un minimum être intelligent, donc poster notre intro code QG. Dans un deuxième temps, le gameplay de la vidéo commentée, je dis bien commentée, de la vidéo commentée, doit être en qualité PVR, c'est-à-dire de la qualité qui provient du HD PVR, et non pas d'une qualité montée en 720p, d'un Dazzle monté en 720p sur du Sony Vegas par exemple. Ça nous n'acceptons pas, nous n'acceptons que de la qualité HD PVR, du boîtier d'acquisition au POGE HD PVR seulement. J'insiste bien parce qu'on a souvent reçu des messages comme quoi des personnes voulaient qu'on upload des vidéos en qualité Dazzle et ils ne comprennent pas que nous voulons de la 720p mais provenant du HD PVR. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris. Donc quand vous nous envoyez un message de demande d'upload de votre vidéo, dans le message essayez à chaque fois de ne pas mettre juste le lien de la vidéo. Vous postez la vidéo sur votre chaîne et ensuite vous avez dans le message vous avez un petit menu coulissant là, et défilant plutôt, et qui vous permet d'inclure une vidéo au message. Donc c'est quand même mieux pour nous, parce que moi en tant que modérateur ça m'énerve un peu de faire copier-coller sur le lien et à chaque fois d'ouvrir une nouvelle page, tout ça, alors qu'on a juste à cliquer sur la vidéo qui est jointe au message, et puis voilà. Ça c'est un petit détail, mais voilà. Concernant une fois de plus les messages, essayez de faire une brève présentation de votre chaîne, genre combien vous avez d'abonnés, est-ce que vous débutez, une toute petite présentation de votre chaîne. Voilà sur ce point là. Maintenant sur un autre point, pour tous ceux qui ont déjà été upload sur notre chaîne,
Arrêtez de nous réenvoyer des messages en disant bonjour, j'ai fait une nouvelle vidéo, est-ce que vous pourrez la mettre sur votre chaîne, etc. etc. On privilégie quand même un maximum les débutants, enfin vraiment les nouveaux sur YouTube, hein, ceux qui ont vraiment très peu d'abonnés. On va pas non plus mettre en ligne des vidéos de mecs qui ont, je sais pas, 1000 abonnés. Parce qu'à partir de 1000 abonnés sur YouTube, et bah ça va tranquille, hein. Les abonnés, vous les gagnez. Même si personne ne vous fait de la pub, alors que comparé aux petits de YouTube, on va dire, hein, c'est très difficile pour eux de faire de la pub. Donc on privilégie vraiment les petits de YouTube. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est un peu en comparaison à la boîte de réception, tout ce qui concerne le clip of the day. Alors, on reçoit beaucoup trop de messages dans la boîte de réception en disant tenez, voilà, j'ai fait un super beau clip, tenez, c'est pour le clip of the day. Dans chaque clip of the day, l'adresse du clip of the day est indiquée. Donc, ne nous envoyez pas un message en disant ce que je vous ai dit. Il vous suffit juste de l'envoyer à l'adresse du clip of the day. L'adresse qui s'intitule code xqg@gmail.com, je répète, code xqg@gmail.com, et vous allez retrouver dans chaque description du clip of the day. Vous avez juste envoyé votre clip en pièce jointe et il sera peut-être sélectionné, hein, si vous avez de la chance. Donc voilà. Maintenant, je vais en venir au montage. Nous n'y plombons pas de montage pour le moment, mais cela risque fortement d'arriver d'ici quelques semaines. Donc les critères des prochains montages, je dis un prochain dans 2-3 semaines, même plus, c'est encore provisoire. Les prochains montages qui arriveront devront posséder une musique totalement libre de droit. Mais quand je dis totalement, c'est qu'il n'y ait aucun droit d'auteur sur la vidéo. Même la technique que nous avait enseigné Skyrose sur Sony Vegas de modifier un petit paramètre dans la musique ne sera pas acceptée. Ce sera totalement de la musique libre de droit qui sera acceptée. Toute musique qui appartiendra à un tiers ne sera pas acceptée sur la chaîne. Donc voici pour les montages. Donc arrêtez de nous envoyer des messages en disant est-ce que vous pouvez uploader mon mini-tage ou mon montage. Désolé, pour le moment, nous n'uploadons pas de montage. Et bien évidemment, les montages seront exclusivement en HD. Donc pour revenir au gameplay, vous avez quand même pu voir qu'il a fait une très grosse série, hein, il est mort à peine 3 fois, 3 fois, donc ça, si c'est pas de la partie, quand même, hein. Et s'il vous plaît, ne dites pas qu'il a pas joué l'objectif, c'est bon. Ceux qui font des grosses parties ne jouent généralement pas l'objectif, donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit sur le clip of the day aussi. Je reviens au clip of the day. Les qualités acceptées sont Dazzle, HDPVR et appareil photo, caméscope, tout ça. Mais quand même que ça soit un minimum propre, hein, que ça soit vraiment pas trop pourri non plus. Qu'on reconnaisse un minimum l'écran, quoi, que ça soit assez lisible, on va dire. Donc j'en ai tout dit. Oui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce, vous demandez à un ami qui a un HDPVR de vous filmer votre clip ou votre partie commentée, et vous avez plus qu'à la commenter, hein. Mais bon, ça, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo mise au point. Donc sur ce, moi, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à Code QG ainsi qu'à ma chaîne. Et puis voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.